Moi, là, j'ai dit, le jour où je vais t'attraper là, je vais te wallou. C'est tout ce qui a été fait. Aujourd'hui là, je n'ai pas venu m'asseoir pour tirer sur toi. Je suis venu m'asseoir aujourd'hui pour te donner les conseils. Voilà. C'est vrai que tu es un maudit, tu es un barbier, mais je suis venu m'asseoir ici pour te donner les conseils. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher ton wallouman. Parce que le jour où il est attrapé, il dit, il est wallou. Le jour où on s'est croisé comme ça à Abidjan. Parce qu'ici, là, on ne peut pas faire des choses, tu vois. Sinon, il y a longtemps, on a tagué des gens ici même. Mais à Abidjan, là, il est venu, il est wallou et puis il est filmé. Cassez ta bouche. Tu vois, non? Tu m'as fait tellement de mal, petit. Tu m'as trop attaqué inutilement. Jusqu'à aller dire devant combien de millions de personnes que moi, il y a le sida. Tu vois, petit? Mais aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas venu t'attaquer. Moi, là, je ne suis pas venu t'attaquer aujourd'hui. Pour te dire ce que tu fais aux gens, là, les gens aussi peuvent te faire ça. Mais tout ce que toi, tu connais, c'est le buzz, Facebook, rentrer dans la vie privée des gens. C'est tout ce que tu connais. J'ai appris que tu as déposé plainte contre comme ils appellent ça, Apuchu. Tu as déposé plainte contre Apuchu par rapport à quoi? Apuchu a fait quoi? Vous êtes dans votre game? Moi, tu es venu dire qu'il y a sida là. Il est ici, moi. Venu dire que quelqu'un a sida, que tu as toutes les preuves. Est-ce qu'il est ici, moi? C'est vrai, il a déposé plainte. Mais tu connais en France, les choses là, c'est doucement. Ici, là, c'est pas Abidjan où on saute. Tu vois, non? Il a déposé plainte et ça prend du temps. Mais un jour, tu vas venir répondre. Tu dis que tu es dans ton game. Tu es fan des buzz. C'est toi là, le papa, le daichi des réseaux sociaux. Mais vous êtes dans votre game. Pourquoi tu cours maintenant? Parce que Apuchu aussi est rentré dans ta vie privée. Toi, tu vas aller déposer plainte. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Makoso, vieux maudit là, par rapport à quoi? Tu vas aller déposer plainte. Tout ce que tu es rentré dans la vie privée, matin, midi, soir, tu es dans la vie privée. C'est même pas que des Ivoiriens seulement, même dans tous les pays. Dès qu'il y a un problème, tu es le premier à venir t'asseoir pour crier, pour raconter ta vie de merde là. Juste pour des vues. Juste parce que tu es devenu star. Jésus, même que tu dis, tu soutiens, que tu suis là, mais tu ne parles même pas de lui. Toute ta vie, c'est de rentrer dans la vie privée des gens. Dénigrer les gens. Salut les gens. Aller chercher des voix, je ne sais pas de d'où, pour venir montrer que telle personne est maudite, telle personne est mauvaise. Mais ce n'est pas ce que Jésus t'a appris, mon frère. Est-ce que c'est ce que Jésus? Jésus, même que nous, on a regardé le film. C'est vrai que nous, on ne va pas à l'église. Nous, on a regardé le film de Jésus. Mais on a vu en aucun cas Jésus en train de salir ou bien en train de faire du mal aux gens. Mon frère, on n'a jamais vu Jésus parler de ça. Au contraire, ton rôle devrait être de régler les problèmes, de rassembler les gens. Mais tu es toujours dans des choses qui n'ont pas de sens, mon frère. Toujours dans des choses qui n'ont pas de sens. Et tu mets toujours le problème de Jésus devant. Non, on n'a jamais vu. Depuis moi, il y a un film de Jésus. Là, il n'y a jamais vu Jésus se comporter comme ça. Sincèrement. Même les disciples, même Judas, même qui a trahi Jésus, même il s'est jamais comporté comme ça. Mais toi, ton affaire de Jésus, là, on ne sait pas où c'est quitté. C'est, tu es le diable même en personne. Tu es le diable même en personne. Donc, vous êtes dans vos games. Je ne comprends pas. Tu es allé déposer plainte à Abidjan. Tu as déposé plainte à France par rapport à quoi? Vous êtes dans vos games. C'est ce que tu as fait aux autres, là. Sinon, on veut laisser le truc là, quand on t'attrape même, on peut te frapper jusqu'à ce que tu vas mourir. Parce que tu as trop fait de mal aux gens. Tu as trop sali les gens si tu es 1 million de pages d'abonnés. Là. Tu vois? Donc ce matin là, tu sais, tu es déjà à terre. Voilà. Moi, je ne tire pas. Ici, un mono. Un mono là, il ne tire pas si l'ambulance. Voilà. C'est-à-dire, quand l'ennemi est à terre, il est désarmé là. Tu ne tires pas sur lui. Moi, je ne suis pas venu ce matin là pour tirer sur toi. Voilà. Et si je te dis que faut changer de vie. La vie de merde que tu mènes là, ce n'est pas une vie. Les cassements des papos,
les conneries, les affairages, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Donc mon petit Apoutou là, faut le laisser. Bon, de toute façon, ta pleine main que tu as déposée là, ça va pas aller quelque part. Tu vois, non? Ça va pas aller quelque part. Donc, Makoso, change de vie. Tu as vu comment tu es pâté à l'air là, non? Tout le monde est sur toi. Toute une nation est sur toi. C'est tellement même, tu veux tout. Tu veux rentrer, tu veux faire, tu veux maîtriser tout. Tu veux gérer tout là. Tu es là, rien comment tu es devenu plat. Jusqu'à tu maigris comme ça, on dirait qu'il y a un sida. Un sida que tu voulais me donner là, toi-même tu as pris ça à l'air là. Tu vois non? Sida que tu voulais me donner, que tu as dit devant combien de millions de personnes que putain as sida là. Toi-même tu viens de prendre sida là. Rien comment tu as maigri. Tu vois non? T'es trop pâté à l'air là. Il ne peut pas tirer sur toi. Mais ça n'a rien changé. Hein? Ça n'a rien changé. Pour tout le mal que tu m'as fait là, ça n'a rien changé. Il dit, toi seulement là, il était wallou. Voilà. Je ne vais pas tirer sur toi. Je vais te donner des conseils ce matin. Mais ça n'a rien changé dans mon wallouman que je vais te donner. Tu vas prendre ça, petit. Tu vois? Mais change de vie. Facebook là. Facebook là. C'est du virtuel. Après Facebook là, chacun a sa vraie vie. Après Facebook là, chacun a sa vraie vie, c'est du virtuel. C'est-à-dire, voir faire de Facebook là, tant qu'on n'a pas paralysé quelqu'un dedans, tant qu'on n'a pas tabac un dedans, cassé sa mâchoire dedans là, vous n'allez pas arrêter vos conneries là. Tant qu'on n'a pas paralysé quelqu'un dans vos conneries là, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va donner exemple ici en France ici. Et je sais que ce n'est pas pour longtemps. Il y a quelqu'un qui va donner exemple dans vos bêtises de dénigrement que vous faites là. Quelqu'un va donner exemple ici un jour. Il y a quelqu'un qui va donner exemple. Comme ça, vous allez comprendre que ils n'ont pas créé Facebook pour rentrer dans la vie privée pour dénigrer les gens. Tu comprends, non? Donc, il faut changer de vie, mon frère. Change de vie, hein. Sinon, un matin là, tu vas comprendre. À cause du virtuel là. Parce que tu penses que quand tu fais direct, tu as 20 000, 30 000 personnes qui te regardent. Tu penses que tu es trop arrivé, tu es un dieu. Parce que tu penses que tu, n'y a pas l'homme pour toi. Je suis un champion. Le Daichi des réseaux sociaux, mon frère. Le Daichi des réseaux sociaux, ça t'a fait changer quoi? Ça t'a fait construire quoi? Rien. Daichi des réseaux sociaux. Depuis tes Daichi, depuis combien d'années, tu as combien de millions d'abonnés? Ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé quoi dans ta vie? Vous qui cherchez les vues là, les 10 000, les 30 000 vues là, vous, ça a changé quoi dans votre vie? Depuis vous êtes, vous avez 20 000, 50 000, 100 000 vues, ça a changé quoi dans votre vie? Rien. Ça a changé dans votre vie. D'autres sont au Ghana, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont au Canada. Ça s'arrête là. Souvent même tu arrives quelque part, mais on ne te reconnaît même pas. Tellement même on ne te connaît pas. Tu comprends? C'est pas... Dans les bêtises, on peut devenir forcément star. Tu peux devenir star en t'imposant sur quelque chose. Ce n'est pas en dénigrant, en salissant les gens que vous pouvez devenir star. Vous pouvez devenir star en vous imposant. En créant quelque chose et en vous imposant. Vous pouvez devenir star. On peut bien vous connaître de manière positive. Pas de manière négative. Pas de manière négative. Tu dis tes pasteurs, tu parles de Jésus. Mais assieds-toi, parle de Jésus. S'il y a 10 personnes qui t'ont regardé, c'est que tu es un champion. Au du réel Gédéon de la Jéchouva. Quand Gédéon est en direct, il y a au moins 3000, 4000 personnes qui le regardent. Il parle de Jésus sans clash. Gédéon parle de Jésus. Il y a au moins 100 000 personnes. 100 000 personnes. Qui le regarde. Il y a dit 100 000, pardon. Il y a au moins 3 000 personnes qui le regardent. Sans clash, sans injure, sans tacler quelqu'un. Lui, il s'est imposé. Il s'est imposé. C'est-à-dire, il a créé ses abonnés fidèles à Jésus.
toi tu as créé des abonnés fidèles au dénigrement et au clash. Mais normal que le jour tu viens parler de Jésus là, ils vont partir. Parce que ceux qui sont là, là ils sont là pour s'affairer. Tu vois? Ceux qui sont là, là, sur ta page là, ils sont là pour s'affairer. Donc le jour tu dis, c'est gâté. Aujourd'hui là, il y a des papos. C'est normal, tu vas avoir 30 000 personnes. Mais le jour tu vas parler de Jésus là, ils vont partir. Parce que ceux là, c'est tous des démons. Tous des satans. C'est-à-dire, où il y a Jésus là, ils ne sont pas prêts. Et ils sont là pour tout ce qui est négatif. Et tu vois, Magozo. Donc change de vie. Refais-toi une autre vie. Parle de Jésus. Et peu à peu, tu auras les vrais abonnés. Si tu as parlé de Jésus au Dieu, tu as 300. Demain, tu as parlé de Jésus. Ils vont devenir 500. Après, demain, tu as parlé de Jésus. Ils vont devenir 1000. Et peu à peu, ils vont monter, mon frère. Et peu à peu, bah, tu es devenu star. Tu es devenu le Daichi des réseaux sociaux. Mais concentre-toi sur Jésus. Tu vas avoir plus de monde de Jésus. Attends, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde là ou bien? Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde là. Donc si tu es fort là, ils vont venir là. Si tu es fort vraiment, si tu n'es pas un mamaïen, si tu n'es pas un menteur, ils vont venir te suivre. Si tu es fort, si tu n'es pas un mamaïen, ils vont venir te suivre. Mais s'ils viennent, qu'ils voient que tu es plaisanté, c'est normal, ils ne vont pas te suivre. Tu vois? Donc change de vie, petit. Change de vie. C'était mon conseil de ce matin. Change de vie. Arrête ta vie de dénigrement. Tes attaques, la vie privée des gens que tu exposes tous les jours. Il faut arrêter. Parce que j'ai dit et je répète, cette situation-là, votre manière d'utiliser Facebook, là, il y a quelqu'un qui sera paralysé dedans un matin. Il y a quelqu'un qui va prendre un bon coup matin et vous serez étonné. Tu comprends? Donc, c'était mon petit conseil de ce matin. J'espère que ça a bien rentré dans ta tête. Ça a bien raté dans tes oreilles. Et tu vas prendre conscience. Si tu n'es pas maudit là, je pense que après tout ce qui se passe actuellement là, quand tu vas sortir de là, tu vas te calmer. En tout cas, si tu n'es pas maudit. Bon, maintenant, si tu penses que le virtuel là, c'est ça qui a te rend star en dénigrant les gens là, continue. En tout cas, moi, je t'ai dit, moi, mes 5 là, il n'y a pas oublié ça. C'est pas parce que toi, tu te donnes un conseil, hein. C'est pas parce que ça donne un conseil que tu as oublié que mes 5 là vont passer. Mes 5 là vont pas passer. Mes 5 là, ça t'attend. Et tu vas prendre ça. Chokona tchaka. Quelqu'un ne t'a pas donné ça là, mon cœur ne va pas être calme. Mon cœur ne va pas être calme. Tant qu'il ne t'a pas donné ça là, il ne serait pas tranquille. Donc ça là, forcément, tu apprends. Mais comme en tant qu'un mono, quand quelqu'un est à terre, quand l'ennemi est désarmé, hein? Faut pas l'allumer. Parce que si tu l'allumes, c'est comme tu as créé pas vu. Tu vois, non? Donc, faut prendre conscience. Faut prendre conscience et puis changer de vie. Voilà. Changer de vie. Donc, sur ce, je vous laisse. C'était mon petit direct de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao, famille. Ciao, ciao.